Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, bonsoir. Nous voici encore aujourd'hui dans notre moment Bethel. Nous sommes là encore pour adorer Jésus. Nous sommes là pour dire merci à Dieu parce qu'il nous a gardés, il nous a donné le souffle de vie. Si tu as encore l'occasion de vivre ce soir, l'occasion de nous suivre ce soir, dis simplement merci à Dieu. Dis-lui merci. Dis Jésus merci parce que tu m'as gardé, parce que tu m'as donné le souffle de vie. Tu m'as donné beaucoup de choses. Dis merci à Dieu pour ce soir. Et sans plus tarder, comme nous avons commencé avec un grand retard, nous allons directement passer à notre moment et adorer le Seigneur. La chanson avec laquelle nous allons commencer, elle est très simple. C'est la chanson de Pasteur Adams. Elle dit simplement « Cache-toi ». La chanson dit simplement, pour ceux qui parlent trop les Lingala, « Bombama ». Donc « Cache-toi en prière ». Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans la chanson. Elle dit, avant d'être exposé, avant de faire quoi que ce soit, il faut au moins avoir le temps de se cacher. Il faut au moins avoir le temps d'être seul en prière, d'être seul avec Dieu. C'est dans la présence de Dieu, la Bible dit qu'il y a des délices éternels. C'est lorsqu'on se cache en prière que nous recevons beaucoup des choses venant de Dieu. Tu peux chercher à parler en langue, tu peux chercher à devenir, je ne sais pas, une très grande star. Mais sans la prière, ça sera vraiment impossible. Surtout nous jeunes d'aujourd'hui, nous aimons beaucoup plus paraître, nous aimons beaucoup plus faire, je ne sais pas, des grandes choses, nous avons des rêves. Mais il faudra avoir le temps d'être seul avec Dieu. Il faudra avoir le temps d'être dans la présence de Dieu. C'est simplement ce que la chanson veut dire. Si tu veux vraiment être exposé, tu veux faire des grandes choses. Lorsqu'il y a beaucoup de gens, tu veux faire de grandes choses, tu veux que Dieu t'expose, apprends d'abord à te cacher. Cache-toi avant d'être exposé. Si vous entendez bien, quand le pasteur Atom chante, il dit « Bombamae, ici en prière ». C'est très simple. La chanson veut simplement dire « Cache-toi ». Donc j'espère que tous vous connaissez très bien la chanson. Alors concentrez-vous, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Et vous verrez que Dieu fera quelque chose pendant ce moment. Oh, 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 oh. Tu m'as appelé, je le sais. Ikambwezo pela kratinangai. Namituni bona nini Izo mila papa Yakolo beza ebele Mais pas d'occasion pour s'exprimer Je suis rentré à ce pied Walo bali susue Il me dit cache-toi Bomba mae Si cache Isabelle, na batona ye bambonate, bomba mae, ici en prière. Alobi, cache-toi, bomba mae. Si cache Isabelle, na batona ye bambonate, bomba mae, avant d'être exposé. Personne sans référence Un bon matin devient une légende Namisana nangate koye banaye Une personne sans référence Un bon matin devient une légende Namisana nangate koye banaye Des courtes prières en public Et le résultat sont magnifiques C'est que les nanga Koumilana le samoué Des courtes prières en public Et le résultat sont magnifiques C'est que les nanga Koumilana le samoué Tu m'as appelé, je le sais
kambwe sopela katinanga na mixoni pona nini lowe izomela ya kulobeza hebele mi pado occasion pour s'exprimer ya ouais des choses à te dire sont tellement nombreuses tu ne laisses pas l'occasion ce n'est pas vraiment d'occasion de choses à te dire dans la prière sont nombreuses mi pado occasion pour s'exprimer. Cache-toi, oh mamae. Missi cache Zabel, nabatonaye, bamona yote. Oh mamae, mon frère, ma soeur, toi qui me suis ce soir, je te dis un mot, oui, cache-toi. Oh, je te dis simplement de te cacher. J'aimerais te dire un mot, mon frère, ma soeur, toi qui me suis ce soir. Ne cherche pas à faire trop de gymnastique. Ne cherche pas à aller à gauche, à droite. Cache-toi simplement. C'est vrai, tu cherches à devenir grand. Tu cherches, je ne sais pas, à devenir, je ne sais pas comment. Tu as des ambitions, tu as des projets. Mais je te demande juste une chose, cache-toi, cache-toi. C'est le mieux à faire, il faut simplement se cacher. Vous savez, lorsque nous nous cachons dans la présence de Dieu, avec Dieu, il a dit dans sa parole, avec lui, nous ferons toujours des exploits. Donc cache-toi simplement. Je ne sais pas ce que je peux te dire ce soir. Je te demande simplement de te cacher. Tu n'as pas besoin, je ne sais pas, d'aller chercher des fétiches. Tu n'as pas besoin d'aller chez le défunt. Cache-toi. Mais on se cache où? C'est dans la présence de Dieu. On se cache où? Dans la prière. Vous savez, moi je me dis souvent, je peux peut-être manquer de moi à dire aux gens. Mais avec mon Dieu, je me sens à l'aise. C'est dans la présence de Dieu où je me sens vraiment à l'aise. Là où je dis que je suis libre, je peux m'ouvrir complètement et dire tout ce que je veux à Dieu. Et comment je peux le faire si ce n'est que par la foi de la prière? Cache-toi simplement. Cache-toi. Chante avec moi encore. Tu m'as appelé, je le sais. Ikambwezo pela katinanga na mitsu nipona nini. Izomela shilo ya kulubeza ebele mi pado occasion pour s'exprimer ya kulubeza ebele. Il te dit ce soir, cache-toi, oh mamae. Bisi kabando ki ya famina yo, hey, bamonate. Oh mamae, avant d'être exposé. Il te dit, toi qui me suis ce soir, oh mamae. Jezabel, nabatonaye bambonate. Bomba maye avant d'être exposé. Il te dit ce soir, bomba maye. Oh mon frère, ma soeur, qui m'écoute ce soir,
Mahé. Oh, toi qui cherches à être exposé, un jour je te dis, oh, Mahé, avant d'être exposé, cache-toi simplement, oh, Mahé. Oh, oui, je te dis, oh, Mahé. Tu cherches à accomplir de grandes choses dans ta vie, oh Mahé. Oh, 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 oui, je te dis, oh Mahé. En 2019, on avait le Covid qui avait déjà commencé, mais jusqu'ici, tu es toujours en vie. Jusqu'ici, Jésus t'a gardé. Il y a beaucoup de personnes qui sont décédées par le Covid. Mais toi et moi, aujourd'hui, on a l'occasion de se suivre encore en direct. On a l'occasion d'adorer nos dieux, de chanter. Tu continues tes études. Il y a des étudiants avec qui tu avais commencé les études, mais aujourd'hui que je te parle, toi-même, tu es conscient, tu sais très bien qu'ils ne sont plus en vie. Seulement de dire chante, dis Jésus, jusqu'ici tu m'as protégé, dis merci à Dieu, il t'a protégé, il a fait des choses que même tes parents ne pouvaient pas faire dans ta vie. Peut-être que tes parents te payent les habits, ils te payent à manger, mais le souffle de vie, je te dis que seul Dieu est capable, le souffle de vie, seul Dieu est capable de donner, de nous donner. Jusqu'ici, 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 tu ne m'as pas laissé, malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici,
tu es avec moi. Je ne sais pas.
pas les sorciers de ta famille se lever pour faire je ne sais quoi. Mais sache une chose, Jésus se levera le dernier. Et quand lui se lève, personne d'autre ne pourra faire quoi que ce soit. Parce que quand lui se lève dans ta vie, c'est fini. Que ce soit les sorciers de ta famille, que ce soit je ne sais pas tes ennemis, tout le monde fuira loin de toi. Parce que le roi des rois s'est levé. Le Covid, mon frère, ma soeur, sache que tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que Jésus est dans ta vie. Parce que Jésus se lève toujours pour protéger ceux qui les craignent. Aïe, biété, à côté de moi. Moutoua sous canabou, inanda. Aïe, biété. Oh, aïe, biété. Nous voulons adorer ensemble avec vous. Nous voulons chanter la dernière chanson. Cette chanson veut simplement dire que viens régner. Nous allons tous ensemble invoquer Jésus à venir régner dans nos vies. Tu vas simplement dire, Seigneur, je m'offre à toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon corps, je te donne mon âme. Je m'offre à toi, Seigneur. La chanson veut simplement dire, je m'offre à toi. Donc là où tu es, peut-être que c'est vrai, vous êtes nombreux, vous ne connaissez pas très bien la chanson, parce que c'est une nouvelle chanson, nous sommes déjà en train de travailler ça dans le studio. Mais dites simplement, Jésus vient régner, dis-lui, je m'offre à toi, je te donne ma vie. Vous savez, quand tu offres ton corps, tu offres ton âme, ton esprit à Jésus, il a de grandes choses qu'il accomplit dans nos vies. Il fait des grandes choses dans nos vies. Lorsque simplement nous acceptons de nous abandonner à lui. Lorsque simplement nous acceptons de nous offrir à lui. Si tu es une personne qui a toujours pleuré, tu rencontres des difficultés. Ce soir, mon frère, ma soeur, je te dis simplement, offre-toi à Jésus. Donne-lui ton corps, ton âme, ton esprit. Et tu verras qu'il va changer tes pleurs en chants d'allégresse. Tu vas te retrouver juste après ce moment d'adoration, juste après ce moment Bethel, tu vas te retrouver en train de lever, de louer ton Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a fait de grandes choses dans ta vie. Et pour qu'il arrive à accomplir ces choses-là, offre simplement ton corps, ta vie, offre à Jésus. Je m'offre à toi. Je m'offre à toi. Viens régner dans ma vie, Yahweh. Je m'offre à toi. Je m'offre à toi. Viens régner dans ma vie, Yahweh.
sont les sorciers de ma famille qui profiteront de l'occasion pour régner. Dis-lui, Jésus, règne dans ma vie. Dis-lui, Seigneur, je t'offre mon corps, je t'offre mon âme, je t'offre mon esprit. C'est que je veux simplement ce soir que tu puisses régner dans ma vie. Je ne sais pas là où tu es ce soir, mais je te demande simplement une chose. Dis à Jésus de régner dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, règne dans ma vie. Jésus, règne dans ma vie. Parce que quand lui règne, là où il y a des démons, ils se dispersent facilement. Quand Jésus règne dans ta vie, tu verras que même les sorciers de ta famille n'auront plus de place dans ta vie. Alors dis-lui, Seigneur, viens régner. Dis-lui, Jésus, règne dans ma vie. Règne dans mon âme. Est-ce que Jésus règne dans ta vie? Béni par ce moment, tu as trouvé un plus, tu as ajouté un plus dans ta vie à travers ce moment. En tout cas, à la prochaine, nous allons vous communiquer le prochain live. Que Dieu vous bénisse. Ciao, à la prochaine.